Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre les notifications activées sur ma chaîne pour les grosses informations qui vont venir sur 2K19. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, je fais beaucoup de tweets sur Twitter concernant 2K19 et j'annonce les vidéos. Eh bien salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vraiment toute petite vidéo parce que je vais vous montrer en fait tous les nouveaux Oh My God Moments. Merci à SmackTalk qui a filmé ce gameplay, oui ça vient de sa chaîne, je la mettrai en description, je le dis tout de suite, des nouveaux Oh My God Moments et vous allez franchement pas y croire. Premier Oh My God Moment, c'est avec John Cena où il fait plusieurs attitude adjustment d'affilée. Franchement c'est magique. On pensait pas, franchement cette année ils nous ont amélioré les gameplays, mais complètement, peut-être niveau graphique et tout, mais tellement il y a de nouveautés, c'est incroyable. Voilà, deux nouveautés, deux attitude adjustment à la suite, ce qui permet ensuite de peut-être gagner le match un peu plus rapide. Ensuite on a aussi un autre Oh My God Moment, c'est Shane McMahon qui fait son coast to coast drop kick. Voilà, donc normalement c'est normalement un finisher, sauf que là c'est un coast to coast drop kick, sauf que la superstar qui va s'en prendre un, elle est, comment dire, elle est différente, elle est pas juste couchée en bas de la première corde, elle est carrément accrochée en haut de la troisième corde. Et ensuite, Shane, il saute et lui défonce sa tête. Ensuite aussi, on a un nouveau Oh My God Moment. Ça, tout le monde le savait pendant le mode showcase. C'est Daniel Bryan, Kendo Assisted Yes Lock. Voilà, ça se dit comme ça. Alors, je vous le rappelle, c'est SmackDown qui a fait tout. Les petits carrés orange, rectangle et toute la clique. Mais sinon, voilà, regardez une nouvelle fois ce Kendo Stick Yes Lock. Il est magique. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est juste taper. Alors je pense à, en fait quand vous aurez le Kendo Stick, ça va marquer finisher et ensuite ça va le taper et ensuite ça va faire le Oh My God Moment. Attention, un Oh My God Moment, on le savait tous, il était déjà présent les années dernières, c'est le Triple Powerbomb, sauf que là il y a un numéro et c'est le 1. Ça veut dire qu'il y en a certainement un deuxième. Et le Triple Powerbomb une nouvelle fois, et là cette année, regardez cette nouveauté, le Triple Powerbomb depuis la troisième corde, nouveau Triple Powerbomb. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau Oh My God Moment. Regardez, ils sont magiques. Bien évidemment, Dean Ambrose a les cheveux longs puisqu'ils n'ont pas eu le temps de le régler, mais sur PC, vous pourrez avoir les cheveux courts pour Dean Ambrose. Magnifique Oh My God Moment. Et attention, là, c'est le Oh My God Moment le plus récent possible où, bien évidemment, Roman Reigns avait fait traverser Brock Lesnar à travers la cage de Steel Cage. Alors, pas dans la même prise, mais voilà, c'est un peu pour relier ce qui s'était passé à Greatest Royal Rumble où Roman Reigns avait fait passer Brock Lesnar à travers, ou alors c'est l'inverse, non, je sais plus. En tout cas, un des deux, ils avaient fait traverser à travers la cage et ce qui a permis, du coup, à la personne de gagner. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer ces nouveaux Oh My God Moment présentés par SmackTalk. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux Oh My God Moment. Le pire est à venir, ou même le meilleur est à venir. Des nouveaux gameplays, en espérant on va en avoir, je pense, tous les jours. Et tous les jours, vous serez informés sur ma chaîne. Parce que si franchement, si je serais américain, je pense que je ne reprendrai pas les vidéos des autres. Bien évidemment, j'ai leur autorisation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux Oh My God Moments. Je vous dis à la fois prochaine. Bah, peut-être que tout à l'heure, je vais remettre une vidéo. Je ne sais pas encore parce que ça fait quand même beaucoup de vidéos en une journée. Et n'hésitez pas à lâcher un like et à partager pour partager tout ça à vos amis et pour qu'ils soient au courant de l'information.